Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis, oui, chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Son Excellence, le Premier ministre, Dr. Ariel Henry. Excellence, Monsieur le Premier ministre AI sortant, Dr. Claude Joseph. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement démissionnaire, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les membres du haut état-major de la police nationale d'Haïti, les représentants du pouvoir judiciaire, les membres de la presse parlée, écrite et télévisée, chers cadres de la primature, mesdames, messieurs. C'est dans un contexte. Alors, bien avant et mon propos de circonstance, je vous demande de vous lever pour observer une minute de recueillement en mémoire du président Jovenel Moïse. Merci. C'est dans un contexte particulier de grande tristesse et de préoccupation que nous accueillons le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, dans sa fonction de chef de l'administration de la primature. L'assassinat crapuleux du président de la République de la nuit du 6 au 7 juillet 2021, dans sa résidence privée, alourdit l'atmosphère, interpelle et pose toute la problématique de la gouvernance publique démocratique dans le pays. La crise politique, charriant avec elle un ensemble de problématiques liées à la sécurité, aux élections, à la réforme constitutionnelle, à la très grande faiblesse économique et sociale, se retrouve aujourd'hui exacerbée. La famille haïtienne, désemparée, se cherche encore les meilleurs voies et moyens pour sortir de ce qui présente comme un casse-tête chinois. C'est dans donc ce contexte historique accablant pour la nation que vous êtes appelée à la gestion du pays. Une vraie œuvre titanesque vous attend. Ensemble avec votre gouvernement, l'espoir de tout un pays de retrouver immédiatement la paix, la sécurité et le mieux-être au-delà des échéances politiques repose désormais sur vos épaules. Cela va nécessiter que vous puissiez bénéficier d'une forte solidarité gouvernementale, de l'harmonie et de la cohérence dans les actions publiques. La primature, à travers son secrétariat général, structure essentiellement technique et administrative, participant à la coordination de l'action gouvernementale, observateur avisé des soubresauts et des nombreuses difficultés de la gouvernance publique, est désormais à votre service et demeure attentive à vos orientations
pour vous accompagner dans votre mission pour le moins délicate. Vous trouverez à vos côtés, à la primature, des femmes et des hommes, fonctionnaires publics dévoués au service public, compétents, disponibles et toujours prêts à accomplir sans rechigner leurs tâches administratives et techniques. Je m'en voudrais de terminer sans adresser mes remerciements spéciaux au Premier ministre sortant AI, Dr. Claude Joseph, pour sa collaboration, son ouverture d'esprit et son sens de l'intérêt général qu'il a fait montre dans la gestion de la primature. Je vous souhaite bonne continuation dans vos fonctions de ministre des Affaires étrangères et des Cultes. J'ai été un témoin privilégié de vos actions au profit de l'État durant l'intérim que vous avez assuré à la tête du gouvernement. Ainsi, au nom de tout le personnel du secrétariat général de la primature et en mon nom propre, que je vous souhaite la bienvenue à votre bureau à la primature, Monsieur le Premier ministre, et vous souhaite courage et succès dans cette nouvelle charge publique. Je vous remercie. On remercie le secrétaire général de la primature pour ses propos de circonstance. Et à présent, il revient au PM sortant, le docteur Claude Joseph, de prononcer son discours à un moment si critique de notre vie de peuple. Le docteur Claude Joseph. Monsieur le Premier ministre, Docteur Ariel Henry, Monsieur le Secrétaire Général de la Primature, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement entrant, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires et employés de la Primature, Monsieur le Directeur Général AI de la Police Nationale d'Haïti, Monsieur le Commandant-Chef des Forces Armées d'Haïti, distingués invités, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Depuis un peu plus de 3 mois, j'ai la lourde responsabilité en tant que ministre des Affaires étrangères et des Cultes de diriger le gouvernement ad intérim suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout. Cette charge m'a été confiée dans un contexte de crise politique vieille de 2 ans ou de plus de 2 ans, exacerbée par une insécurité galopante caractérisé par des cas de kidnapping spectaculaires, des troubles récurrents à l'ordre public et les assauts des gangs armés. La circulation des personnes et des biens s'en est trouvée sévèrement perturbée. La peur a gagné toutes les couches de la population, souvent victime d'actes d'assassinat. Il est important de noter que le président de la République voulait faire de la démission du Premier ministre Joseph Jout une opportunité pour faciliter la conclusion d'un accord politique avec des secteurs de l'opposition et acteurs de la société civile organisée en vue de mettre un terme à la crise et par conséquent faciliter l'organisation des joutes électorales dans un climat politique apaisé. C'est ce qui a motivé le chef de l'État à ne pas désigner un chef de gouvernement définitif, laissant la voie ouverte à la désignation
d'un premier ministre de consensus issu de l'opposition avec pour principale mission la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est ainsi que le président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, intensifiait le dialogue qu'il avait initié avec la classe politique et la société civile, ayant abouti, après environ 3 mois d'atermoiement et d'hésitation de la part de celle-ci, au choix consensuel du Premier ministre en la personne du docteur Ariel Henry. Le Premier ministre de consensus a été nommé par arrêté présidentiel le lundi 5 juillet 2021. Malheureusement, moins de 48 heures plus tard, soit dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, le président de la République a été fauché chez lui en pleine nuit par des mercenaires, des assassins recrutés expressement pour accomplir cette sale besogne, selon les premiers éléments de l'enquête judiciaire. Le premier ministre désigné n'a pas eu le temps de constituer son gouvernement en concertation avec le président de la République. Il n'a donc pas pu être investi dans ses fonctions ni installé par le chef de l'État. Ce drame épouvantable qui a plongé le pays dans l'émoi et la consternation a porté le gouvernement démissionnaire à revenir à la charge, conformément au principe de continuité de l'État. C'est ainsi que, grâce à l'engagement solidaire et au sens aigu de la responsabilité de tous les membres de l'équipe gouvernementale, nous avons su tenir la barque nationale, garantir la paix publique et par-dessus tout, prévenir le pays de la catastrophe à laquelle un tel événement devait l'exposer. Quoi qu'on dise, aujourd'hui où les conditions sont réunies pour assurer la passation de dossiers entre le gouvernement démissionnaire et le gouvernement définitif, conformément aux dernières volontés politiques du feu président Jovenel Moïse, selon bien sûr la belle formule de l'ancien Premier ministre Evans Paul, nous devons nous enorgueillir d'avoir pu éviter que le pays sombre dans le chaos et l'anarchie qui le guettaient au lendemain de ce crime odieux et abominable. Parallèlement, les dispositifs idoines ont été pris très rapidement à l'effet de déclencher les opérations policières ayant permis d'appréhender les assassins du président de la République et du même coup d'initier l'enquête judiciaire. C'est une situation inouïe que personne, vraiment personne, ne pouvait imaginer, mettant à rude épreuve une équipe gouvernementale démissionnaire et en instance de départ. Il a fallu faire preuve d'intelligence et d'ingéniosité pour mobiliser les ressources et énergies nécessaires pour y faire face. L'histoire ou la postérité retiendra qu'il a fallu, dans cette circonstance exceptionnelle, de la clairvoyance, de l'abnégation, du patriotisme et surtout un sens élevé de l'État. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis d'adresser aux membres du gouvernement démissionnaire, en particulier aux membres du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, ainsi qu'aux membres de mon cabinet, mes félicitations et mes remerciements au nom de la patrie commune pour leur sens de responsabilité, les sacrifices consentis et leur collaboration franche et sincère. Cette épreuve aura permis aux uns et aux autres de se découvrir et de se rendre compte des exigences qui s'imposent à un homme d'État, des qualités qui lui sont requises. Nous rappeler les sacrifices qu'il faut consentir pour trouver la voie du développement et d'une gouvernance publique saine en Haïti. L'équipe gouvernementale qui cède sa place aujourd'hui au gouvernement de consensus restera à jamais marquée par ce sacrifice ultime d'un homme, d'un chef d'État jeune,
pétri d'énergie, de courage et de dévouement, qui a voulu tant de bien pour son pays et pour lequel on se battait à ses côtés. Nous nous devons donc de poursuivre, individuellement ou collectivement, cette lutte contre les inégalités sociales qu'il menait constamment. Faisons-le pour sa mémoire et pour notre pays. La République le doit d'identifier tous ses assassins, auteurs intellectuels et exécutants. Tout gouvernement, tout acteur politique, tout citoyen, toutes les forces morales doivent s'engager dans cette démarche afin qu'une telle atrocité ne se reproduise plus dans notre pays. Chers collègues, ministres, secrétaires d'État et collaborateurs, c'est un honneur d'avoir travaillé avec vous et d'avoir pu bénéficier de votre soutien dans cette difficile mission de maintenir une équipe gouvernementale démissionnaire, soudée et solidaire. Seule l'histoire pourra juger de nos efforts. Monsieur le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, vous prenez les rênes du pouvoir exécutif à la faveur de la vacance présidentielle, en votre qualité de président du Conseil des ministres, dans un contexte qui, à bien des égards, est très difficile, très différent, bien sûr, de celui que nous avons connu au moment de votre nomination le 5 juin dernier. Vous vous rappelez sans doute que, tout de suite après votre nomination officielle par le feu président Jovenel Moïse, je vous ai appelé pour vous féliciter et vous donner la garantie de ma franche collaboration. C'est avec cette même élégance, cette courtoisie républicaine que je vous transmets aujourd'hui les clés et les bureaux de la primature. Votre destin d'homme d'État vous impose cette mission que vous n'avez peut-être pas vue venir. Certainement, aucun politique, aucun citoyen aspirant à servir son pays ne souhaite de voir porter une telle charge. C'est pourtant celle qui est la vôtre aujourd'hui et que vous acceptez courageusement. Vous héritez d'une situation exceptionnelle, caractérisée par l'absence du président de la République pour vous servir de bouclier. Une crise politique sans précédent dans l'histoire du pays, une insécurité galopante, une situation socio-économique morose et précaire, un processus électoral à poursuivre impérativement, et j'en passe. Tel est le sombre tableau du pays dont vous allez diriger le gouvernement, monsieur le Premier ministre. Y a-t-il des recettes pour vous aider, vous et les membres de votre gouvernement, à relever de tels défis avec des enjeux aussi important, difficile à dire. Toutefois, ne peuvent-elles pas être trouvées à travers un dialogue franc et ouvert, impliquant toutes les composantes de la société, ou à travers un accord politique engageant toutes les forces vives de la nation. En tout état de cause, monsieur le Premier ministre, la satisfaction des besoins de la population, l'établissement d'un climat d'apaisement social et politique, la résorption du phénomène de l'insécurité, la création des conditions nécessaires au développement du pays et le bien-être collectif sont parmi les principaux chantiers qui vous attendent, ou mieux, qui nous attendent. Sans oublier, bien entendu, la poursuite et l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat du président de la République en vue de la manifestation de la justice autour de cet acte de la pure barbarie. Sans oublier, bien entendu, la poursuite et l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat de mon ami, mon président, son Excellence, M. Jovenel Moïse, en vue de la manifestation de la justice autour de cet acte de la pure barbarie. Je m'engage à vos côtés pour contribuer, dans la mesure du possible, à la pleine et entière réussite de votre mission. Je vous souhaite, Excellence, Monsieur le Premier ministre, beaucoup de courage, de détermination et surtout du succès pour le plus grand bien de notre pays
et de la population qui souffre amèrement. Je vous remercie. On dit merci au PM sortant, Dr. Claude Joseph, désormais ministre des Affaires étrangères. Et à présent, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur d'introduire le nouveau Premier ministre pour son allocution de circonstance, le docteur Ariel Henry. Excellences, Monsieur le Premier ministre sortant, Dr. Claude Joseph, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement démissionnaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement entrant, membres du commandement des forces armées d'Haïti, au état-major de la police, les membres des différents corps de l'État ici présents, chers invités. En débutant cette cérémonie, je suis certain que, comme moi, vous avez une pensée spéciale pour le président de la République, victime de ce drame national dans la nuit du 6 au 7 juillet en cours. Je vous prierai donc de vous mettre debout pour observer un moment de silence et de recueillement en sa mémoire. Des nombreuses conversations que j'ai eues avec le président avant ma nomination au poste de Premier ministre. Il m'avait clairement fait comprendre qu'il n'était pas satisfait de ce qui se passait dans notre pays et qu'il avait un rêve pour Haïti et pour le peuple haïtien. C'est un devoir pour moi d'en parler publiquement. Il voulait que les relations entre nos compatriotes changent et deviennent plus harmonieuses. Pour lui, il était impératif de satisfaire les besoins essentiels de la population et de consolider les bases de notre démocratie malade. Malheureusement, il a été lâchement assassiné et une fois de plus, nous condamnons avec la dernière rigueur ce crime inqualifiable qui laisse dans le deuil sa femme, ses enfants, sa famille et la République tout entière. Je présente à tous mes sincères condoléances et je souhaite à la Première Dame, Mme Martine Moïse, un prompt rétablissement. Cela fait bien longtemps que dans notre pays, personne n'avait osé attenter à la vie d'un président de la République. Ceux qui ont renoué avec cette pratique barbare devront payer de leur forfait. Oui, tous les coupables, auteurs et commanditaires devront être identifiés et traduits devant la justice haïtienne. Et je souhaite que des peines exemplaires et dissuasives soient prononcées. La nation n'attend pas moins de ses dirigeants. Plus jamais nous ne devrons vivre un tel drame. Je remercie les nations sœurs qui nous apportent leur solidarité et leurs expertises dans la conduite des enquêtes et la recherche de la vérité.
Je ne pense pas que son Excellence Jovenel Moïse m'ait choisi parce qu'il avait vu en moi un surhomme capable de faire des miracles ou de tout régler d'un coup de baguette magique. Mais je crois plutôt qu'il avait vu en moi le démocrate convaincu, l'homme de dialogue et d'ouverture, capable de rassurer et d'interagir avec les différents secteurs de la vie nationale. C'est donc avec beaucoup d'humilité, sans prétention, mais avec beaucoup de détermination que j'ai accepté cette mission. Pays a traversé une situation malouque, dans tout sens. Dans le mauvais passage, il y a un bagage tout le monde d'accord sous lui. Quitte c'était président, quitte c'est gouvernement Pamelan, parti politique, groupement, religion catholique, religion protestant, vaudouisant, groupement paysan, monde qui est dans le business, gros business, petit business, organisation qui défend les droits de l'homme, association professionnelle, barreau avocat, association syndicat, association étudiant, même communauté internationale. Tout le monde reconnaît que solution crise là, c'est haïtien yo même qui pour joindre lui. Haïtien, femme ou garçon, il y a une responsabilité pour mettre tête ensemble, pour nous sortir dans ça nous y est là. Cette solution haïtienne doit impliquer tous les Haïtiens sans exclusive. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre trouver des solutions conduisant à des changements durables en posant l'exclusion comme préalable. C'est pourquoi, comme je l'ai exprimé dans mon adresse à la nation, dans les jours qui viennent, je vais recommencer mes rencontres avec les représentants des forces vives de la nation en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. En ce moment si particulier, je ne peux pas m'empêcher de penser à un vieux sage avec qui j'ai eu le privilège de parcourir un long chemin. Je veux parler de Serge Gilles, qui n'avait de cesse de répéter que la route du changement et de la transformation de notre pays passe par l'adhésion de tous les secteurs à un pacte de gouvernabilité. Je fais référence également à un ami, au docteur Thunel Delpé, pour sa détermination à la réalisation de Chitatandé national d'une conférence nationale. Ce genre de pacte n'est pas un accord entre amis, mais plutôt une entente entre des compétiteurs qui sont conscients que leurs querelles interminables ne mènent à rien et que leurs intérêts et ceux de notre pays exigent une solution de compromis, un changement de paradigme, une rupture. Cela ne peut se trouver que dans le cadre d'un dialogue franc et sincère, en tous privilégiant le parler vrai. C'est dans un contexte de polarisation extrême et de difficultés pour les différents secteurs de la société haïtienne à se parler que nous devrons trouver et mettre en œuvre une solution durable à la crise multiforme à laquelle nous sommes confrontés. Face à la situation inédite que nous traversons, des propositions de toutes sortes fusent de toutes parts. Tous les secteurs pensent avoir raison dans leur prise de position. Mais personne, aucun des protagonistes, ne peut prétendre imposer sa solution. Même les pires ennemis, même ceux qui se font la guerre, finissent toujours par se parler pour mettre un terme à leur conflit. Je suis d'une école qui croit dans le dialogue
comme moyen privilégié de règlement des différents conflits et surtout en matière politique. Toute question qu'a discuté, sans bien et bien sans cacher l'ombril. En étant démocratie, élection avec état de droit qui n'est pas négociable. Nous ne pas mettre en tête nous, n'a pas résoudre tout problème pays à dans un petit bout de temps, nous gagnons devant nous. Mais avec collaboration tout démocrate, nous avons créé conditions pour réaliser bon genre élection dans le pays. Pour raison ça, il faut que nous rétablissions confiance, rétablissions l'autorité de l'État dans tous quatre coins du pays. Et puis, empêcher Zagolo Rayo de continuer à déchepiller petit peuple. Il est indispensable que les citoyennes et les citoyens fassent de nouveau confiance à notre système judiciaire. Il est également important de mener une lutte sans merci contre la corruption, la contrebande et les trafics illicites en tout genre et de revenir à un fonctionnement normal des institutions démocratiques. Mon gouvernement fera tout ce qui est possible pour créer un environnement favorable pour une reprise de l'économie et pour attirer des investissements dans le pays, créer des emplois et garantir des perspectives d'avenir pour notre jeunesse. Nous étions chapeaux, nous. Nous baissons nous bien bas devant tout le monde, femmes ou garçons, qui victimes en bas d'actes violencieux. En pile, monde mourit. Il y a un qui est blessé, il y a des cailles avec tout bien. Il y a pillé les commerces, les machines sont boulées. Il y a pile monde qui est obligé de quitter côté à vivre là avec toute tête sagée que ça la cause. L'une de mes tâches prioritaires sera de redonner à la population l'assurance que nous mettons tout en œuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité. C'est l'un des dossiers principaux auxquels le président de la République voulait que je m'attaque, car il avait bien compris que c'était un passage obligé si nous voulions réussir son autre sujet de préoccupation, qui est l'organisation d'élections crédibles, honnêtes, transparentes et inclusives. Publiquement et solennellement, je m'engage aujourd'hui à m'acquitter de cette noble mission. De concert avec les forces de l'ordre sur le terrain, nous allons nous atteler à créer un environnement sécuritaire, fiable et stable en vue de faciliter la reprise des activités politiques en toute sérénité à travers le pays et de favoriser une participation massive, la plus élevée possible, des citoyennes et des citoyens en âge de voter. À cet effet, la police nationale et les forces armées d'Haïti sont appelées à jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre l'insécurité et la criminalité dans le pays. Elle doit répondre efficacement à cette responsabilité que lui confère la loi, garantir l'ordre et la sécurité publique. Aujourd'hui, plus que jamais, la population haïtienne a besoin de vous, policières et policiers de tout rang et de tout grade, membres des forces armées d'Haïti, pour enrayer ce spectre lugubre qui entraîne le désarroi de notre société. La bataille contre l'insécurité, nous devons la gagner et nous la gagnerons. Vous ne serez pas seul dans ce combat. Je m'engage à renforcer la capacité opérationnelle de l'institution policière et de l'armée pour mieux répondre à la trilogie homme, mission, moyen.
Soyez à la hauteur de cette tâche qui vous est assignée. Ayez toujours examen la loi comme bien, vous examen dépassé très bien. La nation entière pendant acte. Matière, grammaire, français. Et collège classique intégré de Delma. Même que nous ne pouvons pas être sur de nouvelles bases. Nous faisons ça. Nous devons donner la chance. C'est difficile pour le monde qui va étudier. C'était un bon succès. C'était un bon réussite. Choisir librement celles et ceux qu'ils veulent voir à la tête de l'État, au Parlement et dans les collectivités locales. Notre système électoral sera crédible, honnête, transparent et garantira aux partis politiques et à leurs candidats qu'aucun camp ni aucune personne ne sera favorisé. Il est également urgent de mobiliser les moyens de concert avec nos partenaires pour combattre la COVID-19, pour augmenter les capacités de prise en charge des malades et pour rendre disponibles des vaccins pour tous ceux qui le désirent. J'en profite pour remercier la communauté internationale pour les lots de vaccins offerts au peuple haïtien. Travail là compliqué, li pas piti, li pas facile. Mais moi compter sous l'amour nous gagnons pour pays là. Nous tous à la ronde badé pour nous faire job là. Nous voulons faire. Nous qu'à faire, nous pral faire. Gouvernement maintenant connaît mauvais la vie qui est établi dans le pays. Paysans vaillants nous, pas capable de travailler la terre encore. Maman avec papa petit, pas capable de payer l'école Timounio. Il faut monde dans le pays à traîner en bas la misère. Je ne peux pas dire plus. Pour tout ça, nous allons faire presser. Pour tout ça, nous sommes capables pour nous soulager la situation malouque ça pendant l'attente de nouveau gouvernement qui a sorti dans l'élection pour freiner le problème ça net allé. J'ai le privilège de connaître beaucoup d'acteurs du monde politique et de la société civile. Pour avoir fait un bout de chemin avec nombre d'entre eux. Je vais me mettre au travail immédiatement et prendre mon bâton de pèlerin pour aller à leur rencontre, pour leur expliquer ma mission. Je ferai de mon possible pour les convaincre que c'est ensemble, par le dialogue, dans la concertation, que nous pourrons nous en sortir et construire un projet national qui nous rassemble tous. Le temps est à l'unité et à la stabilité. Je demande au peuple haïtien de continuer à démontrer sa maturité politique en maintenant un climat calme et serein à travers le pays. À nos concitoyens du secteur privé, formel et informel, et à quelque niveau que ce soit, je donne l'assurance qu'un environnement favorable à l'investissement sera créé. Le secteur des affaires est un levier important dans le développement du pays. Je souhaite une collaboration active entre mon gouvernement et vous. Quant à nos partenaires de la communauté internationale, nous comptons sur votre soutien, comme vous l'avez déjà manifesté dans le passé, envie de faire face aux urgences de l'heure. Mes frères et sœurs de la diaspora ainsi connue, je reconnais votre implication dans le développement du pays. Vous constituez un pôle de ressources inépuisable dans la construction de la nouvelle Haïti. Vous n'avez jamais manqué d'affirmer et de réaffirmer votre fierté et votre attachement à votre pays
à notre pays, Haïti chéri. Mon gouvernement entend collaborer étroitement avec vous pour la refondation de la nation. Aux membres de la presse, je dis de continuer à servir le pays, à soutenir notre démocratie. Je compte sur votre professionnalisme. Vous êtes des partenaires incontournables. En terminant, je veux saluer les membres du gouvernement sortant qui ont servi notre pays dans des circonstances particulières. Votre contribution sera appréciée par vos compatriotes à sa juste valeur. Je voudrais aussi remercier le président du Sénat qui a fait montre d'un esprit d'abnégation et de dévouement à son pays pour nous aider tout au long de cette crise. À vous, membres du gouvernement consensuel et inclusif, que j'ai l'honneur de présider, je dis merci d'avoir accepté à servir notre pays dans un tel contexte. La tâche qui vous attend est complexe et difficile. Notre chemin sera semé d'embûches, de toutes sortes. En vous décidant à vous joindre à moi, vous n'avez pas choisi la facilité. Je crois qu'avec votre courage, votre détermination et votre patriotisme, nous pouvons ensemble relever les nombreux défis qui nous attendent. Plusieurs dossiers brûlants sont en souffrance et attendent votre expertise. Il n'y aura pas de période d'observation. Le travail commence dès la fin de cette cérémonie. Bonne besogne pour le pays, pour la patrie, marchons unis. Que Dieu bénisse Haïti. Merci PM. Et à présent, le PM va se mettre plus près du cabinet pour procéder à la remise officielle des ampliations aux membres du nouveau cabinet ministériel. Citoyen Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères et des cultes. Le citoyen Simon Dussel Dera, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Patrick Michel Boisvert, ministre de l'Économie et des Finances. Le citoyen Charles Obredi, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Wilson Edouard, ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Ricardin Saint-Jean, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen James Cadet, ministre de l'Environnement.
La citoyenne Luz Curta Cassandra François, ministre du Tourisme. Le citoyen Rockefeller Vincent, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La citoyenne Judith Nazareth Auguste est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Le citoyen Lydz Kittel, ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. La citoyenne Marie-Lucie Joseph, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La citoyenne Marie-Greta Roy Clément, ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Sophia Loréus, ministre à la condition féminine et aux droits de la femme. Le citoyen Pétrix Justin, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Jean-Emmanuel Jacquet, ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Enol Joseph, ministre de la Défense. Voilà, on dit merci au PM et je demande à l'assistance d'applaudir l'ensemble du cabinet ministériel, s'il vous plaît. Voilà, c'est ici que prend fin la cérémonie. On invite le cabinet ministériel, le PM Henri, le secrétaire général à se faire accompagner des membres du protocole pour les salutations d'usage. Voilà. Merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babes à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.